L'amour et les jeux amoureux, ça a été traité à l'époque baroque comme ça a été traité dans le XXe siècle. La musique baroque, nous la pratiquons tous les jours en concert avec nos élèves. C'est en effet ce à quoi nous nous sommes consacrés professionnellement. La bossa nova, c'est la musique qu'on écoute en rentrant à la maison. C'est la musique qui nous fait rêver. Il y a des rapprochements entre ces deux musiques, ces deux esthétiques. Amore, guerra, pace, stanno suoce e da me. Morte, amore, guerra, pace, stanno suoce e da me. En travaillant l'accompagnement de la musique baroque, on s'est aperçu que si on ajoute tout ce qui était préconisé, comme ornement, comme note de passage, comme ajout harmonique, pour enrichir les accords de l'accompagnement, on rend les enchaînements harmoniques très semblables aux enchaînements harmoniques que l'on retrouve dans la musique bossa nova des années 1960 au Brésil. Ronaldo a pensé à proposer à Christophe de travailler avec nous parce que son caractère, enfin ses qualités d'interprète lui paraissaient vraiment correspondre à la bossa nova. Je prends mon temps, je prie, je pleure, je soupire. Et toi, t'entends pas? On a tout de suite pensé à Rodrigo Calveira pour ce projet. Parce qu'on connaissait sa façon d'aborder la musique baroque italienne. On a eu besoin d'une flûte à bec. Ils ont beaucoup joué ensemble au Brésil quand ils étaient jeunes. Et donc c'était un plaisir de le retrouver pour ce programme. Non tenho a quem prestar satisfação.